PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. C'est une drôle de soirée qui commence quand même avec 15 minutes de retard pour une tribune qui ne tient pas l'air. 2019 dans un stade de Ligue 1, c'est curieux. On fait un match première mi-temps moyenne, on n'était pas tout seul. Le fait d'égaliser nous met quand même en position favorable. Et on prend bien le pas sur cette deuxième mi-temps. Puis après, l'erreur fait partie du... Malheureusement, fait partie du jeu. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai passé 30 ans dans les buts. Le plus dur pour nous, c'est de voir Steven rentrer sur une civière et repartir au SAMU. Donc on n'a pas d'infos à ce sujet-là. Mais bon, les joueurs peuvent rester la tête haute et fiers. Les supporters peuvent être fiers des joueurs parce qu'on n'a jamais été aussi près de la Ligue 1. Mais voilà, le foot a des fois des destins cruels. Je pensais que le nôtre serait le plus heureux. Mais bon, les joueurs peuvent vraiment être fiers de ce qu'ils ont fait jusqu'au bout. On a été au bout du bout et on était encore près ce soir, on l'a vu. Sur la deuxième mi-temps, on prenait l'ascendant. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop envie de parler là avec Steven dans les vestiaires sur une civière et ça marque un peu tout le monde. Groupe qui a rien lâché, c'est vrai que c'est un groupe nouveau, qui a été jeune, 19 départs, 14 arrivées. Notre début de saison a été un peu trompeur, nous a trompés nous aussi. Mais petit à petit, on est revenu dans la course avec des bonnes dispositions mentales et des bonnes qualités footballistiques. Il faut accepter la dure loi du sport, même si des fois elle est injuste. Mais l'injustice fait partie de notre monde et notre vie. Et puis on croise les doigts, surtout pour que Steven rentre chez lui rapidement et qu'il prenne de bonnes vacances. J'ai rassemblé les joueurs, je n'ai pas le droit de baisser la tête par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a le destin qui n'a pas tourné en notre faveur, ça arrive. Mais en tous les cas, ils peuvent rester dignes. Ils l'ont été tout au long de la saison, même dans la difficulté. Encore plus là ce soir, c'est quand même une saison incroyable avec Jika Duverne croisé, avec Simon Banza croisé, avec Alexander Radonjic croisé. Steven qui finit sur une civière, c'est un truc de fou. J'ai jamais connu ça dans toute carrière de joueur et d'entraîneur. J'aurais aimé pas la connaître. Malgré tous ces avaries et ces vents contraires, le groupe est toujours resté digne.